du café? Oui, dans la cafetière, dans la cuisine. Tu peux aller m'en chercher, s'il te plaît? Oh, dis donc, il n'y a pas écrit la bonne, hein? Tu te lèves et tu te sers, hein? Ça va, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te trouves bien énervé, là? T'as mal dormi ou quoi? Oui, j'ai mal dormi. Et je dors très mal, d'ailleurs, hein, au cas où tu ne t'en rendrais pas compte, hein? Ça, ce sont tes problèmes d'âge, peut-être. Oh, mes problèmes d'âge. Ah non, mais vraiment, hein, venant de ta part, c'est très élégant, hein? Quel tact! Ne te fâche pas, Bichette, allez. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te tracasse? Mais c'est le boulot, je suis à la limite du burn-out. J'ai plus de 10 successions à traiter en même temps et je n'ai aucun soutien. Et en plus, mon patron, Maître Gibon, il me presse comme un citron. Maître Gibon, le fameux Maître Gibon, notaire de père en fils. Ah ça, tiens, bah tu devrais lui coller ta démission à celui-là. Puis le temps qu'il te paye en monnaie de singe. Attends, celle-là, faut que je la note. Elle est trop bonne. Je vais la raconter à Jean-Pierre. C'est sûr que ça va le faire marrer, ça. Non, mais attends, je te raconte mes problèmes de boulot et toi, tu fais des blagues à deux balles pour raconter à ton copain Jean-Pierre. Non, mais vraiment, hein, vous êtes deux gamins. Hein. Ça va, Bichette, allez, t'énerve pas. Tu sais, moi, franchement, ce que je dis, c'est vrai. Un clerc de notaire aussi efficace et professionnel que toi, si tu lui donnes ta démission, t'auras aucun problème à retrouver du travail. Hein. C'est gentil, mon bichon, mais tu sais très bien que je ne peux pas lui faire ça. Hein. Depuis le temps que je suis à l'étude, j'ai une trop grande connaissance des dossiers. Hein. Sans moi, il est perdu. Hein. Eh ben justement, mais tu le menaces de démissionner s'il n'embauche pas quelqu'un pour t'aider. Dans le même temps, tu lui demandes une grosse augmentation. En plus, tu fais ça pile poil au moment où il part au golf. Eh, il va forcément céder sur un des deux points. Tiens, eh, voire même les deux. Ça, c'est inévitable. Il paraît que ça s'appelle l'alternative commerciale. Non mais, attends, tu crois vraiment ça? Mais nous ne sommes pas dans ta banque, là. Hein? Ça fonctionne peut-être avec tes clients, hein, ce genre d'alternative. Hein? Mais pas avec les notaires. Hein? Et surtout pas avec Gibon. Hein? Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ah, tiens, celle-là. T'as qu'à la noter pour ton copain Jean-Pierre. C'est cadeau. Bah écoute, moi ce que je disais c'était pour toi. Et bah continue à bosser comme une malade et tu profiteras même pas de ta retraite. Nous n'aurons même pas le plaisir de vieillir ensemble. Oh. Faux cul. Je suis sûre que ça t'arrangerait, hein. Et qu'en plus tu ferais un veuf parfait. Ah, mais ça c'est sûr. Eh, hey, un veuf parfait. Eh, hey, vu mon physique avantageux. Mais surtout. Un veuf éploré. Bon, allez, arrête donc de faire l'idiot. Hein. Et cessons de parler de mon travail aussi. Hein. Écoute, on est samedi, allez, on coupe les coups. Dis-moi donc plutôt ce que tu avais prévu de faire ce week-end. Eh ben, écoute, tu vois, pour commencer, je vais lire mon journal. Ensuite, j'irai faire ma toilette. Ou peut-être bien que j'irai faire ma toilette avant de lire mon journal, enfin je sais oui, pas encore. Oui, bon, ben abrège, hein. Je te demande les grandes lignes, pas un catalogue complet de tes activités. Oh. Bah écoute, dans les grandes lignes, aujourd'hui c'est repos et demain aussi. Alors je pensais profiter du week-end déjà pour me reposer un peu, et puis pour mettre un peu d'ordre dans les papiers, là. On sait jamais, des fois tu devrais me quitter brusquement. Très drôle. Mais tu as raison, range donc un peu le bureau. Hein. Je pourrais peut-être passer le chiffon dessus. Hein. Il y a tellement de bazar que je ne me rappelle même plus la couleur de ton sous-main. Hein. Et puis tiens aussi, Tantillé, range-moi donc ce sac de golf là. Ça fait 6 mois qu'il est dans le salon et qu'il n'a pas bougé de place. Hein. Ouais, bah en parlant du golf, tiens, on devait s'y inscrire avec Jean-Pierre. Et il ne l'a pas encore fait lui. Hein. Et puis, hey, c'est tout de même pas de ma faute si les enfants vont faire ces clubs là pour mon anniversaire. Hein. Enfin, en ce qui concerne ce bazar, comme tu dis si bien, là, je te rappelle qu'ils nous regardent tous les deux. Puis le principal, c'est que moi, je m'y retrouve. Oui, bah, justement, je ne sais pas comment tu fais pour t'y retrouver. Hein. Heureusement que ce n'est pas comme ça à l'étude. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr que Maître Gibon n'y retrouverait pas ses petits. Hein. Oh, attends, celle-là aussi, elle est bonne. Ah, Jean-Pierre, prépare-toi, on prend plein les oreilles. Non, mais tu peux la rayer, celle-là. Hein. C'est une chatte qui ne retrouvera pas ses petits, pas un singe. Et tiens, à propos de Jean-Pierre, tu ne le vois pas ce week-end? Une chatte, t'es sûre? Oui. Non, bah, non, Jean-Pierre, il est parti en randonnée avec son club, là, dans le Marais Poitevin. Oh, bah, et il rentrera dimanche soir, alors.
Ah tiens, au fait, je lui ai dit qu'il passe prendre l'apéro dimanche soir, enfin s'il est pas trop tard. Dis donc, t'aurais quand même pu me demander mon avis, hein. Je trouve qu'il est souvent à la maison, hein. Oh bon, tu trouves? Oui. Enfin, hé, lui en tout cas ne t'arrive pas d'éloge sur toi. Hé, écoute, c'est bien simple. Il se passe pas une journée au travail sans qu'il me demande de tes nouvelles. Tu vois, hein. Et puis moi, hé, du moment qu'il vient pas, quand je suis pas là, eh ben, je suis tranquille. Oui, ça, c'est sûr. Tu peux être tranquille. Ah oui. Allô? Oui, c'est moi, Gisèle Ampère. Pardon? Mais de quoi parlez-vous? Oh, il s'agit sûrement d'une erreur. Oui, oui, je vous l'ai dit, oui, Gisèle Ampère. Le journal. Comment ça, dans le journal? Attendez, ne quittez pas. Oh. Ah oui, 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 ça y est, j'ai vu. Ah, vous pouvez reprendre ça depuis le début et répéter, s'il vous plaît? Marie-Pierre Germain, FGS. Au nom de notre société, je vous adresse toutes nos condoléances. Nous avons appris ce matin par la presse le décès de votre mari, Gilbert Ampère. Bien entendu, à votre disposition pour l'organisation des obsèques. Ah, merci, madame. Je vais en parler à mon mari. Oui, madame, je comprends. C'est difficile d'admettre qu'il n'est plus là. Il est parti si vite. Oh oui, il est parti trop vite. Il n'a même pas eu le temps de faire sa toilette. Pourrais-je passer vous voir, madame? Vous savez... nous avons très peu de temps. La nature fait vite son travail. Et en ce qui concerne sa toilette, nous pourrons bien sûr nous en occuper. Oh, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis encore sous le choc. Et il n'a même pas eu le temps de ranger ses papiers. Je comprends, je comprends. Excusez-moi d'insister, madame. Mais le temps presse. Il faut faire vite, prendre les dispositions nécessaires. Je peux venir maintenant, si vous le voulez. Oh, oh, non, non, écoutez, laissez-moi au moins la matinée, hein. Je vous rappelle, hein. Oh, oh, oh. Voilà, tu t'es mis. Aïe, oh ! Ça va pas, tu te grandes malade, toi, hein. Ah bah écoute, je me pince pour voir si je ne rêve pas. Non, c'est moi que tu pinces, et pas qu'un peu en plus, hein. Oui, bon, d'accord, mais comme ça, je procède aux vérifications d'usage. Et fais voir. Oui, ça va. Pour l'instant, tu sens bon. Quelle vérification d'usage? Et d'abord, pourquoi pour l'instant? Et puis d'ailleurs, c'était qui te faisait sourire au téléphone comme ça, là? C'était Jean-Pierre? Bon, écoute mon chéri, j'ai une surprise pour toi. Regarde. Tu es mort. Tu as devant toi ton faire-part de décès. Bah, t'aurais quand même pu prévenir ta femme, hein? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? C'est une blague ou quoi? Mais non, pas du tout. Et au téléphone, c'était une dame qui voulait régler au mieux tes obsèques. Tu vois? Toi qui pensais que j'allais partir la première, eh bien c'est raté. Oui. Ben si toi ça t'amuse, moi je peux te dire que ça me fait pas rire du tout. Ah, je peux te dire que je vais appeler le journal et je vais leur dire ma façon de penser. Et je peux te dire qu'ils vont faire un démenti immédiatement. Mais enfin, mon chéri, je te rappelle que nous sommes samedi et que la prochaine édition n'aura lieu que lundi. En conséquence, tu as tout un week-end pour te faire à l'idée que tu es mort. Avant démenti, bien sûr. Non mais... Et les enfants? Tu y as pensé aux enfants quand ils vont lire ça? Écoute, je ne suis pas sûre que la Nouvelle République soit distribuée en Australie, ni au Japon d'ailleurs, un pays où se trouvent tes chers petits en ce moment. Hein. Ouais, bon, admettons, mais je sais pas quelle heure il est là-bas, mais si ça se trouve, quelqu'un va les... Tiens, si ça se trouve, quelqu'un va les appeler en pleine nuit pour les prévenir de mon décès, donc... Mais calme-toi, on va leur envoyer un SMS. S'ils dorment, ils l'auront tout de suite, bah, sinon, ils l'auront à leur réveil. Oui. Et tu vas leur écrire quoi? Alors, bonjour les enfants, papa va bien, il n'est pas encore mort, c'est ça, hein? Ouais, c'est pas mal, mais j'ai mieux. Bonjour les enfants, papa va bien pour l'instant, il n'est pas encore mort, mais on attend le démenti. Ouais. Ben, si toi ça t'amuse, moi je trouve pas ça drôle. Hein. Et ma sœur, t'y as pensé à ma sœur? Ah mais je te jure que quand elle va apprendre ça, elle va péter un plomb, c'est sûr, hein. Anémone, péter un plomb. Ah oui. Mais c'est un état permanent chez elle. Je ne l'ai jamais vue autrement que surexcitée. Eh bien, on fait comme pour les enfants. On lui envoie un SMS. Tu sais très bien qu'elle n'a pas de portable. Elle l'a rendu. Elle est
allergique aux ondes et à toutes les nouvelles technologies d'ailleurs. Elle ne supporte rien tout court, oui. Et son histoire d'allergie, c'est juste pour se rendre intéressante. Hein. Elle a lu quelque part que 10% de la population mondiale était allergique aux ondes électromagnétiques. Elle pense que ça fait bien d'en faire partie. Je suis électro-hypersensible. Ouais, enfin en attendant, tu penses que tu veux de ma sœur, mais ça règle pas le problème. On fait comment pour la prévenir? Appelle-la sur son téléphone fixe. Oh. Elle l'a rendu en même temps, c'était un sans fil. Et Jean-Pierre? Ah, en plus Jean-Pierre qui est pas là. Mais là, je te le dis, c'est la cata. Hein. Bon, écoute, je pense que tu devrais commencer par te calmer. Hein, parce que si ça continue, tu vas nous faire un infarctus. Hein. Oh. Ben, remarque, au moins, on n'aura pas besoin de faire de démenti. Bon, au fait... Quand est-ce qu'on m'enterre? Lundi. Ah mais lundi, c'est pas possible, lundi après-midi, moi. J'ai rendez-vous avec monsieur Dupré, pour son prêt, justement. Parce qu'on t'enterre? Mais je croyais que tu voulais être incinéré. Oh, c'est dingue ça quand même, mon chéri. Hein. Il ne respecte même pas tes dernières volontés. Non mais, ça c'est une blague. Ça, à tous les coups, c'est... Tiens, c'est une blague de Jean-Pierre, ça. Ah, je peux te dire que celle-là, il va me la payer. Non, mais... Mais non, c'est simplement un homonyme. Tu sais, Gilbert Ampère, c'est courant, hein. Alors, écoute, on ne s'affole pas, on fait comme on a dit tout à l'heure. On prévient les enfants. Mais pour le reste, il m'est venu une petite idée. Bon, vas-y, accouche, mais je te préviens que je suis pas prêt à tout entendre, là. Si on laissait faire les choses, si on attendait de voir comment les gens réagissent, ça risque d'être drôle. Bon, ça concerne qui? Ta sœur, Jean-Pierre, les voisines, tes collègues, et encore, je ne suis pas sûre qu'ils lisent tous le journal. Je t'assure, c'est vraiment l'occasion de les tester tous et de savoir réellement ce qu'ils pensent de toi. Ouais. Bah moi je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Prends compte des surprises, et moi j'ai peur surtout des réactions. Mais justement, ça va te permettre de savoir si toutes ces personnes t'apprécient ou pas. Bon. Admettons que je te suive sur ton idée, hein. Je dis admettons. Bon, en bref, on fait comment? Je fais le mort, comme ça, pendant tout le week-end. Et lundi, poulou, je réapparais pour un démenti, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Tu vas dans la chambre, tu t'allonges et tu écoutes. Ah, je suis sûre que c'est la meilleure méthode pour déstresser. Hein. Et pour ta résurrection, on avisera lundi. Hein. Je sens que ce week-end, je vais oublier le boulot et mettre Gibon. Ah. Bah parle pour toi. Moi, je vais passer tout le week-end à stresser. Là. Et dire que j'avais prévu de passer mon week-end à me reposer et à ranger mon bureau. Eh bien, fais d'une pierre deux coups. Ou plutôt, comme dirait Jean-Pierre, d'une pierre tombale deux coups. Tu te caches dans le bureau et tu ranges en même temps. Bah tu vois, du coup, là, moi, j'aurais pas la tête à ranger, non. Je vais plutôt suivre ma première idée. Je vais aller dans la chambre, au moins comme ça, je pourrais m'allonger. Oui, voilà, c'est ça. Va t'allonger, comme ça tu seras dans le contexte. Mais, oui. Au fait, petite idée comme ça, là. Et si demande à me voir, on fait comment? Oh, je sais pas, je trouverai bien une idée. T'inquiète donc pas. Allez, va faire le mort. Allez. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ah, j'en suis même certaine. Ah. Et c'est parti. Gisèle Ampère, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gisèle, c'est Maître Gibon. Ah. Je viens d'apprendre pour votre mari. Et je tenais à vous présenter au nom de l'étude toutes nos condoléances. Ah, merci Maître, c'est gentil à vous de téléphoner. Vous êtes le premier, enfin non, je veux dire le deuxième. Les pompes funèbres ont déjà téléphoné. Bien, très bien. Je vous recommande de passer par leur service. Ils sont très sérieux et très professionnels. Ah oui, j'y songe. Alors c'est qui? C'est Jean-Pierre? Bien entendu, nous réglerons la succession à l'étude. Et je vous ferai une réduction sur les frais. Il en va de soi. Ah oui, merci maître. C'est gentil à vous. C'est qui? C'est ma sœur. J'ai vu que l'inhumation avait lieu lundi après-midi. Bien entendu, prenez la journée. Ne revenez à l'étude que mardi.
Et bien entendu, je ne vous compterai pas cette journée. Il en va de soi. Ça y est, j'ai compris, le singe, c'est Gibon le notaire. Mais j'entends du monde. Je suppose que vous êtes en famille, bien entendu. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Il en va de soi. Je vous dis à mardi. Oui, c'est cela, à mardi. Au revoir, maître. Bon alors, qu'est-ce qu'il voulait, Gibon, moi? Bah, il voulait régler ta succession. Il en va de soi. Mais il en va de rien du tout. Tu sais très bien que j'ai pris mes dispositions chez un autre notaire. Tu penses que je voulais pas faire ça chez ton patron? Oui, moi je le sais, mais pas Gibon. Oui, mais enfin en attendant que tu règles ça comme tu veux, mais tu me règles ça avant lundi. C'est que moi j'ai pas du tout confiance à Gibon là. Mais Gilbert! Oui, quoi? Mais enfin, je te rappelle que tu n'es pas mort, hein, que c'est une erreur. Alors pour ta succession, ben, va falloir attendre. Eh ben tu vois, je commençais à m'y faire. C'est dingue. Bah oui, tu vois, c'est dingue. Et je te l'avais dit qu'on allait bien s'amuser. Et en plus, grâce à toi, j'ai gagné une journée de congé. Merci, mon chéri. Bah, ne me remercie pas trop vite. Parce qu'à mon avis, lundi, ton patron, quand il va voir que je ressuscite, là, bah ta journée, il va te la reprendre. Allez, vite. En fait, cachez, dépêche-toi. Allez. Et au fait, oh, je me suis pas allongé, j'écoute derrière la porte. Oui, on s'en moque, oh là 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 là. C'est maman qui l'a ramené d'Espagne de vacances. Ce tableau est la propriété d'Anémone Ampère selon la volonté de son regretté frère. Ah, ah ben excuse-moi de te contredire, hein,
Mais ce tableau, nous l'avons acheté ensemble avec Gilbert lors de notre voyage à Venise pour fêter nos 20 ans de mariage. Et voilà, ça commence. Mais qu'est-ce qui commence? Mais que tu vas discuter sur tout, et ça c'est à moi, et ça c'est à mes parents. Mais le plus simple serait que tu me laisses faire. Mais enfin, je ne vais pas te laisser vider ma maison et prendre toutes mes affaires sans rien dire. Mais qui te parle de vider la maison? Qui, je te le rappelle, est un peu la mienne dans la mesure où je dois récupérer une partie de la part de Gilbert. De toute façon, avec toi, rien n'est simple, tu exagères tout. De toute façon, Gilbert me disait souvent. Mais je n'exagère rien, hein. Je constate, c'est tout. Ton frère est à peine mort, que tu débarques là, non pas pour le pleurer, mais pour récupérer ses affaires. C'est à croire que tu avais préparé tes étiquettes à l'avance. Et puis en plus, tu mens, hein? Gilbert ne t'a jamais dit ça. Ce sont les enfants qui récupèrent une partie de la maison, pas toi. Mais comme tu es méchante. Me traiter de menteuse. Avec tous les efforts et les sacrifices que j'ai consentis pour que Gilbert puisse faire des études, alors que j'étais bien plus douée que lui. Ah bon? Mais je croyais que tu avais raté ton bac deux fois. Exprès. Je l'ai raté exprès. Pour ne pas que Gilbert culpabilise. Je lui ai même sacrifié ma vie de femme. Et maintenant, on me reproche de vouloir garder des souvenirs de lui. Non, c'est pas ça. Bien sûr que tu peux récupérer des souvenirs de lui. C'est juste la manière dont tu t'y prends, hein, quand même. Ça laisse à croire que tu avais tout préparé à l'avance, hein. Ta liste, tes étiquettes. Oui, c'est vrai que j'avais fait cette liste depuis un certain temps. Mais je ne pensais pas m'en servir aussi vite. Tu n'aurais pas quelque chose d'autre à boire? Parce que je suis toute retournée. Tu es sûre que tu ne veux pas un verre d'eau? Ah non, non, non. Quelque chose de plus fort, hein. Ah ben, plus fort que ça, je ne vois pas. À part le whisky de Gilbert. Ah ben, le whisky de Gilbert, c'est très bien. De toute façon, qui le boira maintenant? Ah oui, effectivement, on fait comme ça. Bon, eh bien. Et c'est parti pour le 30 ans d'âge de Gilbert. Un whisky pur malt, bien tourbé. Comme Gilbert l'aimait, hein, c'était son whisky. Il n'en offrait à personne. Il l'économisait. C'était un cadeau de ses enfants. Et tu vois, c'est à croire qu'il voulait l'emmener dans sa tombe. Eh bien, si tu vois cette carafe, eh bien, elle doit aussi me revenir. Et tu attendras qu'elle soit vide, hein, oh. Parce que là, elle est pleine. Hein. J'aimerais, hein. Oh, bonjour, madame Ampère. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous déranger en ce jour aussi douloureux. Ma sœur Marie et moi pensions bien vous rendre une visite, mais nous ne voulions pas vous déranger aujourd'hui. Nous aurions attendu demain. Bonjour madame, mes condoléances, mais c'est par rapport au téléphone. Ah, téléphone, où ça, téléphone? Eh bien, chez nous, à l'appartement, il y a une dame de la société GFS, FGS, ou SGF, oh, je me souviens plus bien qui vous demande. Ah bon, mais pourquoi appelle-t-elle chez vous? Elle dit que chez vous, c'est toujours occupé. Ah, ah ben oui, effectivement, mon téléphone est débranché. Pas de téléphone dans la maison de mort. Oui, madame, je comprends bien, sauf que la personne insiste. Nous lui avons bien dit que nous ne souhaitions pas vous déranger, surtout dans de telles circonstances. Et elle dit qu'on ne pouvait pas attendre à cause des odeurs. Bon, écoutez, si elle rappelle, vous lui dites que je vais la rappeler, hein, et qu'elle cesse de téléphoner chez vous, hein. Oh, je suis désolée de vous causer tous ces embêtements. Mais non, madame, il ne faut pas. C'est bien naturel entre voisins. Et d'ailleurs, si j'osais, je vous demanderais bien de venir maintenant avec Marie. C'est ma sœur. Pour vous présenter nos condoléances,
Il va bientôt être midi et comme Marie a mis un rosbif au four, eh bien comme ça, nous ne resterons pas trop longtemps. Ah, mais c'est bien ça, parce que moi, il me reste du whisky, on pourrait le finir ensemble. Non, merci, pas d'alcool, je ne le supporte pas. Bon, un verre de vin de temps en temps en mangeant, ça je dis pas non, hein, mais pas plus. Hein. Bon, on va faire comme ça, mademoiselle Juliette. Allez chercher votre sœur, hein, et surtout ne répondez plus au téléphone. Hein. Merci, madame. Je reviens avec Marie, hein. Oui. C'est ma sœur. Oui. Ah, tout de suite. Oui. Anémone, tu rebranches le téléphone et tout de suite, hein. J'ai des coups de fil urgents à passer, hein. Hors de question, pas de téléphone. Tu rebranches le téléphone tout de suite. Bon, écoute, si tu ne supportes pas, eh bien, tu n'as qu'à sortir. Hein. Tiens, t'as qu'à aller dans la chambre. Hein. Ah, non. Non, attends. Non, pas dans la chambre. Va plutôt dans le bureau. Il est super isolé. Et si ça se trouve, tu pourras récupérer des souvenirs de Gilbert. Mais je reprends que ce qui m'appartient. Hein. Je ne suis pas une voleuse. Hein. Retourne immédiatement dans la chambre. Les voisines vont arriver. On va bien s'amuser. Hein. C'est ça que tu disais. Hein. On va bien s'amuser. Hein. Moi, en tous les cas, je m'amuse. Hein. Bon, je ne dis pas que c'est facile à gérer, mais je m'amuse. Hein. Et ma sœur, t'as vu Anémone, ma propre sœur? Ah bah vous avez en commun le goût du whisky, hein? Ah bah oui, mon whisky. Oh, il est bon. Dépêche-toi vite, c'est les voisines. Allez, file. Oh, Gilbert, dépêche-toi, les voisines. Mon whisky, oui, hein? Oui, oui. Oh. Mais j'ai dû débrancher le mien à cause de ma belle-sœur. Elle est allergique. Je vais vous demander un petit instant, hein, le temps de rappeler la personne qui vous embête. Hein. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Nous n'avons pas mangé. Et j'ai mis un rosbif dans le four. Nous n'allons pas rester longtemps. Mais oui, Marie, j'ai déjà dit à Madame Ampère pour le rosbif. Oh, je ne savais pas. Mais allez-y, donnez votre coup de téléphone. Je vais mettre le haut-parleur. Comme ça, vous entendrez ce que cette personne me voulait. Hein. Nous ne vous jouions pas être indiscret. Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors. Vous savez, Madame Ampère, nous allons beaucoup rejoindre chez Monsieur Ampère. C'était une personne vraiment charmante. Vous étiez une petite couple charmante tous les deux. Nous vous appelions les deux Zizi. Mais non, Marie, enfin, pas les deux Zizi, mais les deux Gigi, pour Gisèle et Gilbert. En tout cas, vous étiez vraiment une couple charmante. Oh, merci, mademoiselle Marie. C'est gentil, mais vous savez, c'est la vie. Hein. Et comme on dit, c'est souvent les meilleurs qui partent en premier. C'est toujours ce que je dis à Juliette. Tu verras, c'est moi que je partirai le premier. Comme quoi, les meilleurs qui partent en premier. Ça ferait exception. Juliette? Oh oui, enfin, réfléchis à ce que tu dis. Si tu dis que tu pars en premier, cela voudrait donc dire que tu es la meilleure. Et là, tu vois, eh bien, je ne suis pas d'accord. Ne l'écoutez pas, Madame Ampère. Elle dit ça à cause de notre ancien métier à toutes les deux. Elle me taquille toujours avec ça. Sous prétexte qu'elle travaillait dans le SNCF et moi dans le PTT. Elle prétend que le SNCF, c'est mieux que le PTT. Madame Ampère, je vous prends à témoin. Une lettre qui arrive en retard, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Alors qu'un train, attention, hein, ça perturbe tout le système. Ça peut même provoquer un accident à cause des aiguillages. Mais n'embête pas, Madame Ampère, avec des aiguillages, Juliette. Mais enfin, il faut bien l'expliquer, parce que toi, quand même, mine de rien, tu laisses sous-entendre que tu es la meilleure d'entre nous deux. Mais non, je dis ça comme ça. Et puis, d'ailleurs, tu vois, ça m'arrangerait de ne pas partir le premier, après tout. Oui,
qu'on dit les choses comme ça sans réfléchir. Et c'est après seulement que l'on se rend compte de la portée des choses. Eh bien, nous, madame, à la SNCF, on ne laisse rien au hasard. On doit tout prévoir et calculer à l'avance. Tout prévoir, tout prévoir. Et les grouillages de Bretigny, tu veux qu'on en parle? Non, ça suffit, Marie, avec les grouillages de Bretigny. Sinon, je repars de la carte de Tante Simone. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, le cadre de Tante Simone? 2 ans, madame. Hein? 2 ans qu'il a mis pour arriver la carte. Hein? Peut-être, mais elle ne s'est pas perdue. Et elle n'a pas fait des victimes, elle. C'est pas comme à Juvisy. Oh, ça suffit, Marie, avec Juvisy. Arrête. Vous permettez? Pardonnez-nous. Allez-y, allez-y. Alors, vous m'avez dit comment, déjà, tout à l'heure? GFS ou SGF. Oh, je me souviens plus. Ah, oui, ça y est, je l'ai. FGS. Funeral General Shoes. Shoes, ça veut bien dire chaussures. Oui, shoes, chaussures. Pour rentrer dans le PTT, l'anglais était obligatoire. Pas au SNC, hein. Et pourquoi un magasin de chaussures? Je ne comprends pas. Je croyais que c'était les pompes funèbres. Bon, allez, je fais le numéro. Hein. Funérale, société funérale, général, choose. Oui, bonjour madame, c'est madame Ampère. C'est bien vous qui avez téléphoné ce matin au sujet du décès de mon mari? Oui, tout à fait madame Ampère. Je suis contente que vous me rappeliez. Je n'arrivais pas à vous joindre. J'ai même essayé d'appeler chez vos voisines. Je m'inquiétais. C'est important, vous comprenez. Le temps presse. Oui, oui, j'ai bien compris l'importance. Et ce sont mes voisines hein, qui m'ont fait part de vos appels. Elles sont là, d'ailleurs. Elles sont venues me présenter leurs condoléances. Elles vous entendent, hein, j'ai mis le haut-parleur. Ah, rebonjour, mesdames. Mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Oui, pardon, mesdemoiselles. Je vous remercie d'avoir prévenu madame Ampère. Et je peux vous assurer que je saurai m'en souvenir le moment venu. La société FGS récompense toujours ses apporteurs ou apporteuses sous forme de chèques cadeaux échangeables dans les plus grandes enseignes. Et vous bénéficiez aussi d'avantages directs chez nous, avec des réductions très importantes sur les capitonnages, par exemple. Oui, excusez-moi, madame, mais si on revenait à l'objet de votre appel, rappelez-vous, le temps presse, hein? Oui, 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 vous avez raison, en effet. Il est temps d'intervenir, car nous sommes samedi, et les obsèques doivent avoir lieu lundi. Donc, il nous reste peu de temps pour choisir et préparer le défunt. À propos, où est-il actuellement? Dans la chambre derrière. Non, dans la chambre funéraire. Ah, très bien. Mais qui s'est occupé du transport? C'est l'hôpital? Oui, 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 c'est ça, c'est l'hôpital. Oh, des problèmes de personnel. Et puis c'était un samedi en plus. Et c'était pris en charge par sa mutuelle. Hein. Alors pour nous, ça, ce n'est pas un problème. Hein. Vous savez, nous pouvons prendre les choses en main directement depuis la chambre funéraire. Il faut simplement votre accord. Ah, eh bien, justement... Vous devez aussi déterminer quel type de cercueil vous voulez. Et le fait que des condoléances soient présentées ou pas. Eh bien, justement, à ce sujet... Le choix des fleurs est aussi important. En ce qui concerne la cérémonie, vous devez déterminer si vous voulez qu'elle soit religieuse ou pas. Oui, eh bien, à ce sujet, ça serait bien... Il nous faut aussi savoir si vous disposez d'une concession ou si nous devons utiliser un caveau temporaire. Bon, écoutez, stop. Vous êtes bien aimable, mais voilà, j'ai réfléchi. Et je souhaiterais que mon mari soit embaumé. Pardon? Oui, c'est une nouvelle technique qui se pratique beaucoup aux États-Unis. Cela permet au corps de se conserver plus longtemps. On me l'a proposé, j'ai donc décidé de la tester sur mon mari. Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes une société toute nouvelle et nous ne pratiquons pas actuellement l'embaumage. L'embaumement? L'embaumission? L'embaumination. Écoutez, en tout cas, nous ne pouvons pas assurer cette prestation. Si c'est ce que vous souhaitez, vous m'envoyez désolée. Oh,
Quel dommage. Une autre fois, peut-être. Oui, bien sûr. Nous aurons bien d'autres occasions. Enfin, je veux dire, le plus tard possible, bien entendu. Oui, bien entendu, le plus tard possible. Bon, eh bien, au revoir, madame. Au revoir, madame Ampère. Pardon. Si j'osais, j'aurais bien une question à titre d'information. Ah ben, osez, madame, osez. Quel est celui de mes concurrents qui pratique la momification? Ah, l'embaumement, vous voulez dire? Oui, oui, c'est cela, l'embaumement. Eh bien, ce sont les pompes funèbres générales. C'est mon patron qui me les a recommandées. Le notaire, Maître Gibon. Ah, d'accord. Il travaille avec les notaires, évidemment. C'est facile. Bien. Je vais étudier cette nouvelle méthode afin de pouvoir l'inclure dans notre catalogue le plus rapidement possible. Elle est très ancienne. Les Romains la pratiquaient déjà. Les Grecs? J'y crois, les Égyptiennes. Si j'osais, j'aurais bien une question, moi aussi, à vous poser, madame. Mais osez, madame Ampère, osez. Votre société FGS, Funeral General Shoes, c'est quoi exactement? Tout simplement, comme vous les avez cités tout à l'heure, les pompes funèbres générales ayant déposé leur nom, j'ai pensé à une traduction en anglais, Funeral General Shoes. En plus, il y a un côté anglo-saxon plus moderne qui interroge et qui plaît aux clients. Ah oui, shoes pour chaussures à cause des pompes. Ah oui, effectivement, oui, c'est très original. Hein. Bah, en même temps, nous assurons la mise en boîte. comme les chaussures, boîte à chaussures. Merci, madame Ampère. J'ai été ravie d'échanger avec vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au plaisir de se revoir le plus tard possible. Mais au revoir, mesdemoiselles. Et si ce n'est pas pour cette fois, ma proposition pour les chèques cadeaux en tant qu'apporteuse court toujours. Ne l'oubliez pas. Au revoir. Vous voulez vraiment l'embaumer? Non, pas du tout. Je disais ça pour me débarrasser de cette personne, que j'ai trouvée plus qu'insistante d'ailleurs. Hein. Oui, mais en même temps, elle avait l'air très professionnelle, surtout très commerciale. Bon, madame mon père, nous allons partir. Le roast beef n'attend pas. Ah, mais attendez, je ne vous ai rien offert. Vous allez bien prendre un petit apéritif. Oh, non, merci. Comme je disais à la dame tout à l'heure, nous ne buvons pas d'alcool. Je ne le supporte pas. À ma belle-sœur. Pardon? Oui, la dame de tout à l'heure, c'est Anémone, ma belle-sœur. Et c'est une demoiselle. Hein. Ah, d'accord. En tout cas, elle a l'air très gentille. Juliette. C'est vrai qu'elle a l'air, oui. Bonjour, madame. Mademoiselle. Bonjour, madame. Ma condoléance. Mademoiselle. Merci. Vous êtes les voisines, sans doute. Oui, je suis Mademoiselle Marie. Je suis la sœur de Mademoiselle Juliette. Oh, mais enchantée, mademoiselle. Et toutes mes condoléances. Je ne savais pas tout à l'heure, quand je suis venue, que vous étiez là. Oh, belle sœur de Madame Ampère. Oui, quel malheur. Ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. C'est exactement ce que je disais à Madame Ampère. Le meilleur en premier. Oui, mais enfin quand même, hein, c'est pour ceux qui restent que c'est le plus difficile. Sans vouloir vous offenser, madame, nous ne bouvons pas, ni mon sœur, ni moi. Ah bon, et pourquoi? Mademoiselle Juliette ne supporte pas l'alcool. Le moindre petit verre et elle est ivre. Et parfois même, l'odeur suffit. Et quant à mademoiselle Juliette, eh bien, c'est par rapport à son cœur. Elle a déjà eu un triple pontage. Alors, pas d'excès, elle est en sursis. Mais vous êtes sœur depuis longtemps? Parce que vous ne vous ressemblez pas du tout. Mais alors, pas.
pas du tout, hein. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, oui, c'est que, oui. Nous avons le même mère, mais pas la même père. Ah, vous n'avez pas le même père, alors vous n'êtes pas une vraie père. Oh, vous m'en direz tant. Bon, allez, c'est pas tout ça. Moi, je dois récupérer la carafe, mais pas le whisky. Alors, en attendant, eh ben, il faut qu'on la vide. Vous pourriez peut-être la transvaser dans une autre récipient, ce serait quand même plus pratique. Oui, c'est vrai qu'on pourrait. Oui, bon, alors, cette demoiselle allait partir parce que Mademoiselle Marie a un roast beef au four. Ah, un roast beef. Mais c'est très bien, ça. Et vous faites quoi avec? Des haricots verts. De mon jardin, Mademoiselle Alémone. Des haricots verts de mon jardin à la campagne. Car nous avons gardé un pied à terre à la campagne. En fait, c'était la maison des parents de Marie. Enfin, de nos parents, bien sûr, bien sûr. Des bio? Mes parents? Mais non! Les haricots! Oh, le bio, mademoiselle, ça n'existe pas. Eh bien, c'est parfait. Dans ce cas, allons-y, parce que rien que d'en parler, eh ben, moi, ça m'a donné faim. Mais c'est-à-dire que... Eh bien, merci, parce que avec tout ça, Gisèle n'a pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Oh, ça a été tellement rapide. Oh oui, tellement rapide. Oh, hier soir, je l'ai croisé en descendant les poubelles. Il avait l'air pourtant en pleine forme. Il sifflait comme à son habitude. Et je lui disais souvent, oh, vous sifflez bien, monsieur Ampère, comme un maire. Et lui, pour me taquiner, il me répondait, non, comme un train, mademoiselle Juliette. Oh, oh, quelle tristesse. Oh. Mais ce n'est rien, ce n'est rien, mademoiselle Juliette. Ce n'est rien, mademoiselle Juliette. Elle a toujours été très sensible. Elle joue les fanfaronnes comme ça. Mais il lui arrive souvent de pleurer, même devant le télé. Et quand elle travaillait, c'était encore pire. Dès qu'un choix avait du retard, elle fondait dans les larmes. Ben, moi, je suis pareil, hein. Je suis ultra sensible. Hein. Oui. Je suis même électro-hyper sensible. Alors, allez, allons-y. Parce que, avec tout ça, eh bien, le roast beef, il va être trop cuit et moi, je l'aime à point. Bon, ben venez, nous allons rajouter une assiette. Eh bien, merci beaucoup. Parce que, eh bien, moi, j'amène ça parce que tu n'en as plus besoin. Voilà. Et mademoiselle Marie, j'amène le dessert. Tu reviens après? Ben bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas terminé. Et puis attention, j'ai tout noté. Allez, à plus tard. Là, il faut tout arrêter. Oh, mais préviens la prochaine fois, dis donc, j'ai cru voir un fantôme. Tu te débrouilles, tu trouves quelque chose, mais on arrête tout et tout de suite. Là. Mais pourquoi? Moi, je trouve ça pourquoi amusant. Enfin, en tous les cas, t'as vu, depuis le début, tu n'as que des louanges. Oh, c'est fou ce que tu es aimé. Hein. Oh, et t'as vu Mademoiselle Juliette? Elle a versé sa petite larme. Oh, j'en serais presque jalouse. Hein. Tu ne trouves pas cela intéressant, toi, de voir comment les gens se comportent et ce qu'ils pensent de toi? Non, mais c'est catastrophique, tu veux dire. Et t'as vu Anémone, ma propre sœur? Alors ça, c'est sûr qu'elle m'en regrette. Hein. Elle le dit d'ailleurs, mais c'est pour mieux me dépouiller. Non, mais... Et je savais qu'elle n'était pas contente du partage lors du décès de nos parents. Mais à ce point-là, là, c'est... Et toi? C'est quoi cette histoire d'embaumement, là?
C'est vraiment ce que tu veux me faire? Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas été de main morte avec le commercial des bons funèbres. Hein. Je n'ai trouvé que ça pour m'en débarrasser. Hein. Et tu as vu, ça a marché. Hein. Ouais. Bon, écoute, comme tu dis, tu t'es bien amusé. Maintenant, ça suffit. Tu trouves quelque chose, mais moi, faut que je revive. Mais ça va pas être bien facile. Hein. Bon. Il y a bien le miracle, hein, mais je pense que ça va être un peu dur à avaler. Hein. Bah, ou la syncope, t'y as pensé à la syncope? Ou alors non, tiens, le coma. Mais ouais, alors, on dirait que tu m'aurais cru mort, mais j'étais dans le coma et je me suis réveillé. Bah oui, tiens, on va dire ça. Et même qu'on pourrait dire éthylique, le coma. Et pour les gens qui te connaissent, je pense que ça devrait marcher. C'est même ce qu'on fera d'ailleurs. Comment ça qu'on fera? Ah mais, tu vas tout de suite aller prévenir les voisines de mon réveil. En plus, ça va leur faire plaisir. Alors, par contre, prends soin de ma sœur, ménage-la, parce que j'espère que ça va pas trop la choquer. Ah bah oui, c'est sûr, avec sa fragilité légendaire, hein, on a intérêt de faire attention. Hein. Surtout que... elle risque d'être très déçue, hein, de ne pas pouvoir récupérer tous les objets étiquetés, hein. Si ça se trouve, eh ben elle est capable de revenir et d'achever. N'exagère pas, là elle était sous le coup de l'émotion. Normalement, elle n'aurait pas réagi comme ça. Tiens, je suis même sûr qu'elle va s'en vouloir. Elle va t'en vouloir, oui. Tu lui fais de fausses joies, hein. Non mais, t'as fini de critiquer ma sœur. Est-ce que moi je critique ta famille? Ah bah non, ça c'est sûr, j'en ai plus. C'est pas faux. Bon, écoute, c'est d'accord, on fait comme ça. Tu vas prévenir les voisines et moi, je file dans la chambre. Ah, non. Et pourquoi non? Parce que nous n'avons pas fini le test. Attends, le test? Non, mais tu rigoles. Ma sœur, les voisines, ton patron, le commercial des pompes funèbres. Non, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux me faire mourir ou quoi? Ah, non, ça, c'est déjà fait. En fait, j'attends un coup de fil. Un coup de fil, mais de qui? Ah, des enfants. Ah non, pas des enfants, non. Ouais. Bah écoute, là franchement, je vois pas du tout. Hein. Il y a déjà bien assez de monde comme ça qui me croit mort. Peut-être pas la peine d'en rajouter. Ah si, juste un. Mais qui? Allô, Jean-Pierre?
Bien sûr, ça fera plaisir à Gilbert. Non, enfin, je veux dire, de là où il est, ça doit faire plaisir à Gilbert de voir que ses copains sont choqués par sa disparition et que tu penses à lui. Oui, et que tu n'as qu'à monter, hein, tu connais le code, hein? Oui, moi je vais m'habiller, hein, parce que depuis ce matin, ça n'arrête pas et je suis encore en robe de chambre. Hein. Oui, eh bien, à tout de suite. Hein. Oui, c'est ça. Bon, il arrive. Tu vois, je t'avais dit qu'il le prendrait mal. Hein. Ah, mentir à son meilleur ami, j'ai honte. Mais enfin, tu ne lui mens pas, c'est moi qui ai tout inventé. Ah, bah, oui. Hein. Toi, tu n'y es pour rien. Et puis, rappelle-toi qu'à la fin, tu sors du coma. Pense à la joie de Jean-Pierre quand il va te retrouver, hein. Bon, moi, en attendant, je vais m'habiller, toi, tu retournes dans la chambre, et moi, je vais gérer Jean-Pierre. Bon, d'accord, mais s'il est trop triste, hein, tu le consoles? Oui, c'est ça, je le consolerai. Ah, Jean-Pierre, ça, c'est un copain. Eh, hein. Hey, il revient illico dès qu'il apprend la nouvelle. Et sans arrière-pensée, lui. Ah, ça... C'est pas comme ma sœur, hein. Ça c'est vrai que on choisit pas sa famille. Hein. Mais ses amis, eux, eh ben on les choisit, et là, je me suis pas trompé. Ah, ma sœur, tu veux me dépouiller? Hein? Tu bois mon whisky? Tu veux ma part de l'héritage? Et laisser ma famille dans l'embarras? Ah bah tiens. Voilà ce que j'en fais, le petit machin, tu ne perds rien pour attendre. Tiens, laissez passer les petits papiers. Bon, et tu es encore là, toi? Allez, dépêche-toi, retourne dans la chambre. Oh. Mais qu'est-ce que tu as fait avec les étiquettes d'anémone? Oh là là, elle va piquer sa crise, elle va dire que c'est moi qui ai fait ça, hein? Bah, ça peut pas être moi, je suis mort. Oh, allez, vite. Jean-Pierre. Ah, Gisèle. Jean-Pierre. Ah, Gisèle, si tu savais le choc que ça m'a fait. Ah, oui, j'imagine. Tu es son meilleur ami. J'étais son meilleur ami. Mais je sais que c'est dur. Mais tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Oui. Alors, donc, tu me disais tout à l'heure que tu avais appris la nouvelle dans le journal? Oui. Figure-toi qu'il s'est mis à pleuvoir sans arrêt dès notre arrivée dans le Marais. Évidemment, ça chamboulait tous nos projets. On a même dû se réfugier dans un bar. Et là, je tombe sur le journal. Quel choc! Ah oui. Pour moi, ça a été pareil. Mais comment c'est arrivé? Je l'ai quitté vendredi soir, il était en pleine forme. Et je devais passer dimanche pour prendre l'apéro. Oui, il me l'avait dit. Eh bien, tu vois, je crois que c'est ça qui l'a tué. L'apéritif. Tu sais, il buvait beaucoup ces derniers temps. Il avait tendance à abuser du whisky. Et tu vois, je pense que s'il buvait autant... C'est qu'il se doutait que je me doutais de quelque chose. Ah bon? Il buvait tant que ça? En tout cas, pas avec moi. Mais tu me dis qu'il se doutait de quelque chose. Et de quoi se doutait-il que tu te doutais? Enfin, Jean-Pierre, ne fais pas l'innocent. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Non, pas du tout. Je ne bois pas. Mais enfin, les gestes, les regards, toutes ces petites choses qui vous trahissent, vous, les hommes. Tu sais... On ne peut pas tromper une femme. Hein. Bon, eh bien, je ne voulais rien dire tant qu'il était là. Mais puisque c'est toi qui en parles, allez, autant jouer carte sur table. Vas-y, je t'écoute. En ce qui me concerne, moi, je n'ai toujours eu que des pensées correctes vis-à-vis de Gilbert. Je t'assure, jamais rien d'ambigu. Bon, j'avais bien remarqué son attirance pour moi et que mon charme ne laissait pas. Mais je n'ai jamais pu entrer dans son jeu, ni lui laisser le moindre doute d'ailleurs. Et je pense qu'il en souffrait. Ah bon? Il en souffrait? Oui, à chaque fois que je venais, j'essayais de faire comprendre le problème avec Gilbert. Moi, je ne voulais pas transformer notre amitié en autre chose. Et ça, il avait du mal à le supporter. Il devenait de plus en plus pressant.
Je m'en doutais. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas tromper une femme. Surtout qu'en plus, moi, je ne comprenais pas qu'il puisse me préférer une femme comme toi. Parce que moi, à sa place... Oui, quoi, toi, à sa place? Eh bien, tu es tellement belle, tellement attirante, que je ne serais pas allée chercher ailleurs, surtout mon meilleur copain. Tu t'imagines comme c'était difficile pour moi de gérer une telle situation? Ah oui, j'imagine. Et il y a longtemps que toi et lui... Ah, mais c'est surtout lui. Ah, moi, je n'ai jamais voulu. En fait, je voulais t'en parler le jour de votre mariage. T'expliquer qu'à l'armée, il était déjà comme ça. Il avait commencé à me faire une cour inimaginable. Ensuite, si tu savais comme il avait insisté pour que je sois son témoin le jour de votre mariage, il voulait que je sois là, quoi. Et pour cacher son jeu et donner le change, il t'a épousé. Mais dis donc, il a drôlement bien caché son jeu, hein. Il m'a même fait 2 enfants. Oui, tu te rends compte de sa perversité? Mais moi, ce jour-là, je n'ai pas voulu briser ton bonheur. Tu avais l'air tellement heureuse. Tu sais, il me harcelait. Il cherchait toujours le moindre prétexte pour être avec moi. Tiens, il a même voulu m'entraîner au golf. Tu sais, c'était dur pour moi. Ah oui, j'imagine. Mais maintenant qu'il est mort... Je peux te le dire. Dès que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. À chaque fois que je venais chez vous, je souffrais de voir jouer la comédie. Moi, je venais pour toi, mais je ne pouvais rien dire. Ah, mais c'est fini maintenant. Je veux crier mon amour au monde entier. Bon, j'attendrai, s'il le faut, quelques semaines pour respecter ton deuil. Mais je viendrai m'installer ici le plus vite possible. Tu verras, je te ferai oublier Gilbert et tous ses mensonges. On sera bien tous les deux. Et en plus, tu vois, j'adopterai tes enfants. Et avec mes économies, bien, nous changerons les meubles. Je te ferai voyager. Tiens, je t'emmènerai au Puy du Fou. Tu verras, d'ici quelques temps, nous ne parlons même plus de lui. Nous l'oublierons, mais totalement. Et puis, je te ferai l'amour tous les jours. Et même plusieurs fois par jour. Tu connaîtras enfin le plaisir. Parce qu'avec lui, je pense que ça ne devait pas être terrible. Eh bien, en fait... Tais-toi, ne parlons plus de lui. Et embrasse-moi. Ah ben non, 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 Jean-Pierre, pas maintenant, non. Tu te rends compte, avec tout ce que tu viens de me dire? Oh, c'est si bouleversant. Oh, j'ai été trompée pendant toutes ces années. Ah non, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Hein. Bien sûr que je comprends. Ne brusquons pas les choses. Oui. On en reparlera après l'enterrement. Oui, voilà. Si tu en es d'accord, prenons notre temps. Oui, chérie. Mais maintenant, nous avons tout notre temps. Tiens, mais je prendrais bien un whisky, moi, pour fêter ça. Oui, mais la bouteille est chez les voisines. Tu n'as qu'à aller la chercher, tu n'as qu'à dire que tu viens de ma part. Mais je les connais pas. Tu crois que je peux y aller comme ça? Oui. Ce serait peut-être mieux si c'était toi qui... Non, tu peux y aller, tu verras, elles sont très sympas. Bon, par contre, fais pas de gaffe. Oui. Elles se disent sœurs, mais en fait, elles sont homosexuelles. Comme Gilbert. Oui, si tu veux, comme Gilbert. Enfin, lui, rien n'est prouvé. Hein. Bon, par contre, fais pas de gaffe. Mademoiselle Marie a une fille, une grande bringle, un peu retardée. Elle s'appelle Anémone. Attention, elle peut être très dangereuse. Anémone? Alors, comme la sœur de Gilbert? Oui, mais tu connais la sœur de Gilbert? Son prénom, comme ça, simplement. Gilbert m'en avait parlé, comme ça, vaguement, quelquefois. Mais tu vois maintenant... Je me demande si ses tendances homosexuelles ne lui seraient pas venues à cause de sa sœur. Peut-être, je sais pas. Bon, allez, je te laisse y aller. Oui, voilà. Oui, c'est bien là. Hein. Oui. Ah, tu sais, aujourd'hui, mais je suis complètement retournée. Oui. Oh, dis donc. Bon, allez. Ah. Allô? Marie-Pierre Germain. Je ne vous dérange pas? Ah ben, c'est-à-dire que là... J'ai une solution. Plaît-il? Je peux le faire. Mais quoi donc? Eh bien, ce que vous souhaitez pour votre mari, l'embaumement, je peux le faire en sous-traitant la prestation avec un cousin
du chauffeur de mon véhicule funéraire, qui est médecin légiste. Enfin, qui est médecin légiste? Le cousin, le chauffeur ou le véhicule funéraire? J'ai un chauffeur pour le véhicule funéraire de la société, le Corbillard, si vous préférez. Ce chauffeur a un cousin qui est médecin légiste. Et il pourrait s'occuper de vider votre mari pour l'embaumer. Ensuite, je passe par un oncle à un de mes porteurs qui pratique la taxidermie. Et l'affaire est dans le... Taxidermiste, vous dites? Mais enfin, je n'ai pas parlé de l'empaillé. Oui, je sais, mais en termes de prix, c'est beaucoup plus avantageux et c'est très ressemblant en termes de résultats. Je l'ai vu sur Internet. Oui, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis déjà engagée avec les pompes funèbres. Il y a moins de 7 jours, vous êtes dans la période de renonciation. Je peux m'occuper d'envoyer la lettre commandée. Enfin, ça va prendre beaucoup de temps, tout ça, non? Oui, et c'est pour ça que je me propose de venir tout de suite pour vous régler tout ça. Et de combien la réduction sur le prix? Ah, je me suis renseignée. C'est 3 fois moins cher que les pompes funèbres. Ah, 3 fois moins cher tout de même. Bon, écoutez, je réfléchis et je vous rappelle, hein. Bon, j'attends votre coup de fil, je ne bouge pas du bureau. Oui. Oh, et tu parles d'un truc, mon Gilbert empaillé. Et remarque, je pourrais le garder dans le salon, hein. Je pourrais en faire un pied de lampe, hein. J'ai juste à passer le fil dans... Allez. Oh là 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 là. Oh, il est où? Ah, j'imagine que tu parles de Jean-Pierre. Oui, il est où? Ah, ton pote Jean-Pierre, ton excellent ami Jean-Pierre. Oh, tu te rends compte, il est venu tout de suite du Marais Poitevin. Ça, c'est un pote, hein. Fais pas la maligne, je suppose que t'es contente, là. Contente, moi? Mais pourquoi je serais contente? Tout ce cinéma, là, autour de ma soi-disant mort. Tu vas voir, on va bien s'amuser, on va savoir ce que les gens pensent de toi. Et patati, et patata. Oui, et alors? Et alors, tu savais très bien comment ça allait se terminer. Tiens, si ça se trouve, c'est même toi qui as publié l'annonce. Ah non, pas l'annonce, mais tu me flattes là, hein. Bon, il est vrai que j'avais envisagé certaines réactions, hein, mais ça dépasse mes espérances, hein. Et de loin, hein. Bon, ta sœur, pas de surprise, égale à elle-même, hein. Il n'y a que les étiquettes que je n'avais pas prévues, hein. Les voisines, pareil, pas de surprise. Mais alors Jean-Pierre, c'est du grand spectacle, hein. Bon, et le coup de ton homosexualité? Mais je l'ai pas vu venir, ça, hein. Mais toi aussi, tu n'avais qu'à me dire que Jean-Pierre te plaisait, hein. J'aurais pu être très compréhensive, hein. J'aurais même pu laisser ma place. Bon, écoute, maintenant, comme tu dis, tu t'es bien amusé, hein. Mais maintenant, ça suffit, je reprends les choses en main. Et à commencer par Jean-Pierre, je peux te dire que lui, il va s'en souvenir de mon décès. Ah non, tu ne reprends rien du tout, hein. Tu me laisses faire. C'est-à-dire jusqu'à la sortie de ton coma. En attendant, tu retournes dans la chambre et tu la boucles. Oh, t'as vu comment tu me parles, hein? Oui, je t'ouvre les yeux, Gilbert. Je t'ouvre les yeux. Tu te rends compte qu'il a fallu que tu sois mort pour ouvrir les yeux, hein? Ça fait des années que je te dis que Jean-Pierre me fait des avances, mais toi, non, tu ne vois rien, hein? C'est comme pour ta sœur. Combien de fois je t'ai dit qu'elle était bien plus intéressée par tes biens que par toi-même? Mais non, tu ne vois rien. C'est comme pour les voisines, hein? Quoi, les voisines? Oh, rien. Laisse tomber, hein. Alors, tu me laisses aller jusqu'au bout. Après, tu feras ce que tu voudras. Tu pardonneras ou pas. Ça, c'est ta responsabilité. Et je respecterai ton choix, hein. Mais je veux vraiment savoir jusqu'où ils peuvent aller. Ouais. Eh ben là, je le sens pas du tout. Mais alors, pas du tout, hein. Eh, franchement, tel que c'est parti, je suis pas sûr que t'arrives à tout gérer. T'es pas dans ton étude. Ah, et c'est bien plus drôle. Alors là, ça c'est sûr, hein. Allez, mon chéri, retourne dans la chambre. Laisse-moi gérer. Ça va mal finir, je te le dis. Ah, ça va mal finir, hein. Gisèle, oh là là, il faut que tu ailles de toute urgence chez les voisines. Il y a un malade qui veut boire ton whisky. Mais ce n'est pas un malade, c'est Jean-Pierre, le meilleur ami de Gilbert. Et c'est moi qui l'ai envoyé chez les voisines pour qu'il t'aide à finir la bouteille. C'est un malade, je te dis.
Il a dit à mademoiselle Juliette et à mademoiselle Marie qu'il allait venir s'installer ici, qu'il allait devenir son voisin et qu'il allait même les inviter à pendre la crémaillère. Ah bon, il a dit ça? Oui. Et quand je lui ai dit qu'avant, il fallait que l'appartement soit vendu pour que je puisse toucher ma part, il a dit, mais bien sûr, elle est gentille, la fifille à sa maman. Elle est gentille, la fifille à sa maman. Il a dû te prendre pour la fille d'une des voisines. Elles n'ont pas d'enfants. Elles sont lesbiennes. Oui, non, ben, ça, il ne le savait pas. Et puis en plus, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une raison pour me parler comme à une débile. En plus, il a attaqué tous les restes du roast beef parce qu'il n'avait pas eu le temps de manger en revenant du marais. C'est un malade, je te dis, il faut que tu ailles de toute urgence chez les voisines. Hein. Mademoiselle Marie n'était pas contente du tout. Hein. Ah bon, et pourquoi ça? Mais parce que elle voulait faire du hachis parmentier avec les restes, et maintenant, il y en a. Mais c'est Ticouette. Mais qui c'est qui a déchiré? Mais c'est Ticouette. Ah, c'est toi qui a fait ça! Qui a déchiré? C'est pas moi! Je t'avais prévenu, je t'ai dit! Calme-toi! Il fallait pas toucher mes étiquettes! Non! Calme-toi, je t'ai dit! Mais c'est pas moi! C'est qui a touché mes étiquettes? C'est Jean-Pierre! Ah! Le fou! Celui qui veut venir s'installer ici! Et maintenant, toi! Tu le laisses rentrer! Me yanguille sous roche, Gisèle! Yanguille sous roche! C'est ton amant, hein? C'est ton amant, hein? Pas du tout, c'est le meilleur ami de Gilbert! Mais tu n'as pas honte, Gisèle! Tromper ton mari à peine mort avec son meilleur ami! Ah! Oh mon Dieu! Je l'ai tué, là! Et dis donc, le frère et la sœur dans la même journée! Quelle série noire pour la famille! Oh mon Dieu, mais j'ai tué ma sœur, je l'ai tuée! Mais non! Elle n'est pas morte, elle est simplement ivre morte. Écoute, tu vois les ravages de l'alcool chez une électro hypersensible. Oh, mon Dieu. Oh, ben, je préfère ça, hein. Je m'en serais toujours voulu. Hein. Oh, ben, en même temps, on aurait eu quelqu'un enterré lundi. Hein. Mais franchement, Gisèle l'a tué sans cœur. Hein. Mais toi aussi, pourquoi t'as voulu rentrer là? Moi, j'ai cru qu'elle allait te tuer. Oh, t'es venu à mon secours? Ouais. Oui, ben je pense qu'avec tout ce que tu me fais vivre depuis ce matin, je devrais plus l'être. Trop mignon. Bon, allez, hé, on continue. Personne ne t'a vu, hein. Allez, je pense que je vais pas rester seule longtemps. Ah, attends, Gilbert, on va la mettre sur le canapé. C'est ta sœur, quand même. Allez. Ah. Oh, oh la vache. Ah, pas plus que de l'eau, elle. Oh. Ah, voilà, allez. Allez, une en moins. Bon, maintenant, il ne me reste plus que Jean-Pierre. Ah, tiens, quand on parle du loup. Non, non, rien. J'en ai dit. Allez, allez, allez. Home sweet home. Quel joli petit cocon. Alors, comment va mon petit pigeon d'amour? Ça va bien. Mais qu'est-ce que fait là la cinglée là? Oh, enfin Jean-Pierre, c'est Anémone, la sœur de Gilbert. Eh ben dis donc, mais c'est qu'elle ressemble drôlement à la fille d'à côté, hein? Ah non, mais c'est dingue, hein? Mais on dirait des jumelles. Ah bon, tu trouves? Effectivement, celle-là a l'air un peu plus grande, mais sûrement plus intelligente, parce que la fille de la voisine, hein, bonjour le cadeau, hein. Oh, mais l'appartement aussi, là, moi, je dois toucher ma part. T'aurais vu sa tête, là, quand je la voyais balader, là. Mais elle sent l'alcool.
Oh non, mais c'est une horreur. Elle a picolé ou quoi? Ah non, c'est son parfum. Ah bon? Mais non, idiot, bien sûr qu'elle a picolé. Tu sais, elle a beaucoup de chagrin, hein. Elle aimait tellement son petit frère. Eh bien, vu son état, ça devait vraiment être un gros chagrin. Et là, elle dort ou elle distille? Eh bien oui, elle dort. Elle s'est endormie pendant que tu étais chez les voisines. Le stress, l'émotion... Ça devait être de l'émotion au moins 45 degrés. Dis-moi, chérie, au fait, t'aurais pas du café? Parce qu'elle n'avait que de la chicorée, là, les... Jean-Pierre... Oui, je sais, je vais pas dire ça, c'était pas très beau. Mais comment je vais les appeler? Tiens, j'ai une idée. Les voisouines. Très drôle. Bon, écoute, pour le café, tu n'as qu'à aller dans la cuisine, hein, tu le fais réchauffer au micro-ondes, tu n'as qu'à faire comme chez toi. Hein. Oui, justement, là, en parlant de faire comme chez moi, après, si tu veux, on pourra aller faire un tour dans la chambre, hein, tu vois, histoire de faire un peu mieux connaissance. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je croyais que nous avions convenu tout à l'heure que ce serait mieux d'attendre. Tu as dit toi-même que nous avions tout notre temps. Hein. Oui, je sais, je l'ai dit. Mais j'ai réfléchi chez les voisines. Ça fait quand même plus de 25 ans que j'attends. Mais tu peux peut-être attendre quelques jours de plus. Hein. Et puis, on n'est pas seul quand même. C'est la sœur de Gilbert. Si jamais elle nous surprend, elle risque d'être très choquée. Hein. Et dans la maison d'un mort, dans son lit encore tout chaud, ah non, ça je ne pourrais pas, Jean-Pierre. La sœur de Gilbert, tu vois, dans l'état où elle est, ça ne risque rien. Tu vois, là, elle est partie pour la journée. Et puis, si ça te gêne de faire ça dans le lit, mais on pourrait essayer sur le tapis. Oui. Pour moi, aucun problème. Écoute, on verra ça plus tard. Hein. Bon, allez, je te laisse y aller. On va prendre ton café, il va refroidir. Hein. Je ne l'ai même pas mis à chauffer. Ah, j'ai compris. Tu veux te faire attendre? Quand il va. Mais moi, t'inquiète pas, je vais pas refroidir. Il est chaud comme la braise, le Jean-Pierre. Allez. Là, voilà. De toute façon, la chambre n'était pas libre. Ah, heureusement, vous êtes là. Eh bien, madame Ampère, je m'inquiétais pour vous. Il y a un monsieur un peu bizarre qui est venu tout à l'heure à l'appartement, soi-disant envoyé par vous. Il voulait boire le whisky de Mademoiselle Anémone et il a fini par manger tout le reste du roast beef à Marie. En plus, il a dit qu'il allait venir s'installer ici, chez vous, et qu'il serait par conséquent notre futur voisin. Alors, il nous a demandé à combien s'élevaient les charges de copropriété, ce que nous payons d'impôts locaux. Alors, je venais vérifier s'il ne vous avait pas embêté aussi. Et puis, vous savez, en même temps, je m'inquiète pour la sœur de votre mari. Elle est partie tout à l'heure de la maison. Oh là là, elle n'avait pas l'air bien du tout. Mais le monsieur est venu tout à l'heure, hein. Mais là, il est... Mais c'est Mademoiselle Anémone. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, en fait, quand elle est revenue de chez vous, elle a fait un malaise. Alors, je l'ai allongée sur le canapé. Je crois qu'elle a beaucoup bu. Oh, écoutez, laissez-moi faire. Oh. Je vais pratiquer une technique basée sur la respiration artificielle. L'important, c'est que je ne respire pas son haleine compte tenu de ma sensibilité. Ça ressemble à du bouche à bouche, tout ça, non? Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. Ça ressemble, mais attention, hein, pratiquez d'une façon très clinique. Vous voyez, je pince son nez, j'ouvre grand sa bouche, je respire un grand coup et je souffle. Eh bien, d'accord. On ne s'embête pas, ce que je vois. Et ça aussi, c'est à cause du chagrin? Ah, ben tiens, bonjour, monsieur. Bien, vous êtes là, finalement. Eh bien, alors, rebonjour.
voyez, madame, l'important, c'est de bien respecter un cycle de 3 respirations avec une interruption de 30 secondes entre chaque cycle. Elle l'embrasse et en même temps elle donne des cours. Chapeau la voisine. Non, je ne l'embrasse pas. Ça y est, je ne donne pas des cours. Je dois dire que lors des formations, j'ai toujours eu les meilleures notes. 28, 39, 20, j'y retourne. Ah, je vais aller chercher la sœur. Il faut absolument qu'elle voie ça. Ouais, c'est peut-être pas nécessaire de la déranger, hein. Si, si, si. Je vais en profiter pour descendre garer ma voiture. Dis, je peux la mettre directement dans le garage. Ça sera quand même plus pratique pour descendre mes affaires, hein. Tes affaires? Enfin, il n'y a pas de place dans le garage. Il y a la voiture de Gilbert. Mais t'inquiète pas, je vais la mettre dans la rue. De toute façon, j'ai pris les clés dans la cuisine tout à l'heure. Alors, puis de toute façon, on va pas la garder. On n'en aura plus besoin. J'ai la mienne. C'est quand même une autre qualité que la poubelle de Gilbert. Ah bon, on va pas garder le Porsche Cayenne de Gilbert? Mais non, il est usé, râpé, foutu. C'est un taco. Bon, enfin, je pense quand même qu'on peut en tirer un bon prix. Tu sais, je l'ai mis en vente sur le Bon Coin. Et j'ai déjà eu 2 appels. Alors, fais-moi confiance. Et puis avec l'argent. Eh bien, avec l'argent, je te paierai un petit séjour en amoureux au Futuroscope. Allez, je reviens. À tout à l'heure. Oui. Et ben, on est tous formés pour
gens. C'est pas comme vous, au TPT, hein. Là-bas, le service aux gens, au TPT, hein. Eh bien, on s'en moque. Tu peux avoir à la l'aise dans le train, il y aura toujours un cheminot pour te sauver. Et si tu tombes dans un bureau de poste, hein, eh bien, là, tu peux courir. Si personne ne sait faire une rémanie. Tu veux raconter tout ça à la maison. Allez, on rock, on rock. Je lui avais dit qu'il fallait la laisser, mais elle a voulu absolument la réanimer, hein. Perverse, vicieuse, alcoolique. Oh là là, tout de suite, les grands mots. Madame a des lettres. Normal pour une postière. Ça doit être le rose. Oh, puis aussi j'ai mal à la tête. Je vais aller me coucher à côté. Je vais aller un peu m'allonger, ça va faire le plus grand bien. Mal. Ça, moi, je savais. Biche, c'est moi. Elle est où la coquine? Elle est où la lumière? Elle est où? Ah, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait par terre, celle-ci? Elle peut donc pas rester sur le canapé. Oh, et puis il va falloir que je la remette à sa place. Eh bien, dis donc, ça va pas être un petit boulot. Oh là 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 là, parce qu'il y a un sacré cadavre, là. Oh là 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 là, pour un petit bonhomme comme moi. Oh. Allez, oh, on y essaie. Allez, oh, allez. Ah, oh là, ah, ah là. Oh. On va la remettre sur son canapé. Eh bien, elle est lourde, la frangine, hein. Ouh. Hop là. Eh bien, voilà. Eh bien, qu'elle y reste. Bon. Maintenant. Ils sont partis où? Bon, les voisines ont dû retourner chez elles. Mais Gisèle... Ah. À moins que... Elle est là, la coquine, hein? Elle joue les mijaurés. Oh non, pas dans le lit d'un mort. Mais elle attend son Jean-Pierre. Alors, toi aussi, tu n'en peux plus? Attends, j'arrive. Tu vas voir. Tu vas enfin connaître le véritable amour. Avec JP, c'est toujours le grand jeu. Attends, oh, mais tu es toute froide. Attends, fais-moi ça. J'ai été réchauffé. Tu sens comme j'ai les mains chaudes? Tu sens les mains? Ah, mais c'est quoi, ça? Mais je viens! Oh, pardon. Oh, je ne voulais pas. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ah, mais tu reviens. Oh, non, je ne voulais pas. Salut.
secourisme. Il n'y a pas que dans le SNCF qu'il y a des gens bien. Bon, voyons voir comment elle va. En tout cas, Juliette, tu ne l'emporteras pas dans le pain, Wadi. Ah, ça, tu peux en être sûr. Mon vengeance sera terrible. Terrible. Heureusement que Madame Ampère a pris ton défense. Hein. Alors. Ouais. Je crois qu'elle est plutôt saoule qu'autre chose. Complètement saoule. Je vais la laisser dormir et je vais retourner voir ma. Je vais retourner voir ma Juliette. Mais franchement, on s'en rappellera du décès de Monsieur Ampère. Ah ben ça, c'est sûr qu'on va s'en souvenir. Mademoiselle Marie. Mademoiselle Marie. Eh, ça continue. Oh, quelle catastrophe. Oh là là, moi je ne maîtrise plus rien du tout. Allez hop, je vais me coucher. Oh ben alors, hein, je crois bien et qu'il y a une personne de plus à réanimer, hein. Ça, je m'en doutais qu'elle ne savait pas pratiquer comme moi les techniques de réanimation. Bon alors, si je dois en sauver une, laquelle de choisir? La jeune ou la moins jeune? Pour celle-ci, c'est foutu. Sauvons plutôt la jeune. Ah ben voilà, c'est une vraie catombe. Oh ben non, trop dur pour une seule femme. C'est trop de boulot. Bon, alors, on n'a plus de l'aide. Funérailles générales Choose. Bonjour, Madame Ampère. Non, ce n'est pas Madame Ampère. C'est Mademoiselle Juliette. Ah, Mademoiselle Juliette. J'avais reconnu le numéro de Madame Ampère. J'ai cru que c'était elle. Elle va bien? Oui, mais elle s'est couchée. D'accord, d'accord. Et vous, vous allez bien, Mademoiselle Juliette? Ah oui, oui, moi, très bien. Appelez-moi Juliette. Voilà, je voulais vous demander si je fais un apport groupé. Est-ce que je peux cumuler les chèques cadeaux? Je sais, mais on va saluer le public. Brigitte, Joël, viens par ici, ma grande. Allez, Joël, c'est le parrain.
Christine. Viens par ici, Marianne. Hein? Oui, mets tes chaussures. On ne sait jamais. Hein? Voilà, Marianne. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Viens, viens m'en rencontrer. Eh bien, Fabrice, allez. Jean-Pierre, elle a perdu son Jean. Pierre! Alors, Josette et Chantal. Approchez. Josette et Chantal. Alors. Et oui, il y a aussi les pompes funèbres en la personne de Solange. Solange. La maître Gibon, oui. Pouvez vous approcher, maître Gibon. Nathalie, c'est tout le monde, la technique, tout ça, tout ce monde-là. Ou notre président. Elle est là. Eh bien, Julien. Voilà. Ou Julienne. Julien. C'est notre chef. Ce qui est bien, ça n'a pas toujours été drôle. Hein. Alors, chef. Les chefs ne sont jamais drôles. Restez centrés. Vous êtes partis de là-bas et vous êtes encore drôle. Comme je suis plus petit, tu comprends, mon fils. Bon, écoutez, merci. Merci à tous d'être venus. Ce soir, il y a beaucoup de monde. Oui, mais c'est les meilleurs. Ouais, dernière représentation de notre tournée. À Prissac, le final. Mais on a une petite date supplémentaire à vous donner. Alors, s'il y a des personnes qui veulent venir nous voir, ils peuvent venir le 19 janvier, le vendredi 19 janvier, à Châteauroux, salle Édith Piaf. On a été invité par l'association des commerçants et artisans de Châteauroux à aller jouer chez eux. Voilà. Donc, passez le message. Si vous avez des personnes qui veulent venir nous voir, j'espère que vous avez pris un petit peu de casse-croûte avec les rires. Vous êtes un peu amusés. La troupe s'est bien amusée, je crois. Le mobilier est pas cassé. On pourra jouer encore la prochaine fois. Ouais, une fois. Je vous laisse encore sous applaudissements. Et je vous dis à bientôt. Thank you.